les gens qui se décapent là. Arrêtez de mettre les gens mal à l'aise. Tu empruntes le taxi avec quelqu'un qui s'est décapé. Il dit la personne impeste une odeur nauséabonde. Laisse mon frère. Hey. Les gens qui se décapent là. Les gens qui font le jansang. Comme on dit souvent. Vraiment, vous pouvez vous décaper. Hein. C'est votre droit absolu. Vous pouvez vous décaper même jusqu'à vous devenir même orange, marron. C'est votre droit. Homme comme femme, décapez-vous comme vous voulez. Personne, ni moi, ni personne n'achète l'argent pour vos produits. Ça, c'est clair. Mais, ce que je vous interdis, arrêtez de mettre les gens mal à l'aise. Merde, tu pars dans un restaurant ou un cafétéria pour faire ton petit déjeuner. Celle qui fait le café a fait un jansan, un décapage de deux frères. Il y a même quand même le jansan qui est un peu élégant. Il dit que tu regardes les doigts. Les doigts, il y a les endroits, les rebelles, les épaules, les coudes noirs, les anchois noirs, les talons du pied noirs, les aisselles noires, la lèvre noire. Et avait une odeur. Mais c'est terrible, c'est terrible. Mais c'est quelle qualité ça? Je m'interroge. Tu pars même au marché, les Bayam Salam. Elle est d'abord Bayam Salam, donc elle n'a même pas d'abord bien l'argent pour survivre. Mais elle a un jansan terrible. Hein? Les Bayam Salam, elles sont souvent un genre de jansan. Hein? Il y a les femmes qui vendent aussi les remèdes aux abords de machines couloulou là. Merde, mon frère. Tu viens ici à lundi. Les femmes qui vendent de la nourriture, le cafetard là, elles ont des saints jans. Mais elles sentent. Elles sentent. Laisse mon frère. Hey. Ouais. Mes soeurs. Oh, même quand vous voulez faire ça, hein, quand vous voyez que vous partez dans un lieu public et que vous allez servir les gens à manger, portez même les chaussettes, essayez de camoufler les endroits qui ne sont pas bons à voir là. Hein? Je suis même allé dans un grand restaurant. Celle qui est venue me servir, elle avait ça. Moi, je me suis levé, je suis sorti. Et qu'une femme qui ne fait les gens ne sent bon. Aucune. Même celle que vous partez, vous dites que vous faites pour vos enfants, tout ça. Vous avez les odeurs. Vous sentez mauvais. Oh, maman. Elle fait rêver les immeubles et tous les habitats. Elle est devenue une obsession pour tous. Elle, c'est la tôle Métrobande, au style unique et à la qualité premium. Partout en Afrique, on la réclame, on la cherche et on la convoite. Elle est pourtant chez nous, à Sojitol Cameroun. Elle peut venir vers vous. Une assurance qualité habitation pour toutes les générations. Disponible exclusivement chez la Société Générale des Tôles du Cameroun. Et puis, encore, c'est qui commence le jansan, elle est pauvre. Après, elle laisse. Hey! Wombo! C'est comme si tu avais pris l'huile, versé dans le feu, et éteint le feu et rallumé encore avec le gasoil. Oh, maman! Quand tu vas parler avec eux, oh, tu es jaloux, tu n'as pas les moyens pour faire ça, machin, truc, c'est quoi ça? Dieu t'a donné une belle peau noire, naturelle, et c'est là où il profite pour tirer un coup de chapeau aux filles qui ont gardé leur teint. Non seulement vous êtes belles, mais vous avez encore la crainte de Dieu. Ça, c'est clair! C'est vous là qui allez aller au paradis. Ah, quoi? Les gens senteuses là, jamais. Jamais de la vie. Maman. Et tous ceux qui ont compris et laissé, on a pardonné vos péchés. Vraiment. Il y a une ici à lundi, mon frère. Et les filles qui font l'indien sont quoi? La sale bouche. La mâle bouche. La mâle bouche. Et quand tu l'insultes avec son jansan, elle dit que je savais que ce n'est que là-bas que tu vas dire. Tu vas encore dire quoi? Je m'interroge. On profite que c'est ça. On te dit. Oh. C'est quand même terrible. Hein? C'est quand même terrible. Changez un peu. Hein? Tu fais le commerce, tu ce que les gens mangent. Hein? Nous-mêmes, quand nous mangeons dehors, là, wesh, c'est Dieu qui nous protège. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais, chez Angie Exotique, toutes les semaines, vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. L'animation, ça vient de la Angie Exotique est situé à la rue de Mons, numéro 42, 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44.